Bonjour, nous allons vous présenter le kit SOS pour trottinette. Nous faisons partie de l'association Securivie et nous sommes actuellement lycéens en terminale STI2D au campus La Providence à Blois. Bonjour, je m'appelle Tom. Bonjour, je m'appelle Mathurin. Bonjour, je m'appelle Laper. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Bonjour, je m'appelle Yacine. Bonjour, je m'appelle Nathan. Mélissa va vous présenter l'invention. Alors, cette invention est, comme a dit Tom, le kit SOS pour trottinette, l'invention qu'on va présenter au salon de Mont-Antoine. On a fait cette invention car il y a de plus en plus de conducteurs de trottinettes électriques qui ne mettent pas forcément de casque et qui peuvent mettre en danger leur vie ou celle d'autrui. Donc, grâce à cette invention, on va pouvoir appeler les secours en cas d'accident et... Cette invention a deux modes, le mode automatique et le mode manuel. Si la personne est encore consciente, elle peut, grâce au bouton, appeler les secours. Donc un appel va être envoyé directement au secours. Et le mode automatique, en cas d'inconscience de la personne, va quand même appeler les secours. On va vous faire une démonstration. L'accident s'est produit, nous allons représenter le central d'appel. Afin de ne pas déranger les services d'urgence, nous avons symbolisé l'appel d'urgence par un SMS, juste ici. La localisation se fait en temps réel. Nos deux opérateurs ont trouvé le lieu de l'accident et vont pouvoir aller secourir la personne. Nous espérons qu'avec ce projet, nous allons pouvoir sauver des vies et améliorer la sécurité routière.